Bonsoir, bonsoir. On est là, on est là. Toujours un peu enrhumé, vite fait malade. Bon, on s'en branle. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Hop, j'ai failli me tromper de bouton. Comment ça va sinon? Oh là là. Précédemment, alors deux secondes. Ah oui, en plus, le chat n'est pas. Ah, j'ai oublié de configurer. Bon, je pense maintenant ça va. Toujours afficher les messages. Paf, le son a l'air bon, parfait. Ouais, j'ai déjà baissé d'avance le son du jeu. Donc pour ça, normalement, c'est ok. Ok. Le lendemain de leur arrivée à Doraemon, le professeur Emily et Luc poursuivent leur enquête. Mais surtout vu le passé de Layton. Il retourne à la villa des Dumont dans l'espoir d'en apprendre davantage sur le masque du chaos et le maître du masque. C'est tout. Chambre de Layton. Ah oui, de l'hôtel. J'étais là en mode, mais il est plus enfant, là. Bon, 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 bon. L'énigme cachée pour commencer ou quoi? Non. Ah, on a un nouveau truc pour Diva aussi. On fera ça après. On va recommencer un peu l'enquête pour se remettre des dents. Et il y a Mamie Mystère. On a toujours pas vu ce qui est arrivé dans le passé. Comment ça? Ah, oui, je pense qu'il y aura d'autres flashbacks. Tu connais cette dame, Amy? Eh bien, pas vraiment, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Je me demande... À toute personne suspecte, vous, monsieur. L'accident... Ah non, on n'a pas vu encore. Bon, écoute... Elle est très agréable, je vous remercie. Vous m'envoyez ravi. Nous sommes l'un des meilleurs hôtels de la ville. Qu'en pensez les clients est notre priorité. Nous nous efforçons chaque jour de nous rapprocher un peu plus de la perfection. Doraemon attire tellement de touristes que la compétition entre les hôtels doit être rude. Cela est vrai, c'est pourquoi l'hôtel du désert, nous avons décidé de tout miser sur la qualité du service. C'est nous, le client est roi. Et ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Si je puis vous être utile, n'hésitez surtout pas. C'est noté, nous nous en souviendrons. Hop. Allez, Mamie Mystère, là. Les lumières du carnaval n'ont d'égal que l'éclat de ma beauté. Alors on est aveuglé par le strass et les paillettes? On a besoin d'aide pour trouver des énigmes? Je reconnais cette voix. Ne soyez-vous pas Mamie... Silence! La magnifique extra-lucide Elisabeth a quelque chose à dire. Vous avez parlé d'une aide pour retrouver des énigmes. Pouvez-vous nous en dire davantage à ce sujet? On dirait qu'on fait de la pub. Et comment? Les énigmes sont la spécialité de la maison. Qu'elles soient amusantes ou agaçantes, elles sont partout, impossible d'y échapper. Bien sûr, parfois on les remet à plus tard, on les oublie. Et moi, Elisabeth, je prends soin de les laisser pour compte. Toutes les énigmes délaissées se trouvent à toi chez moi. Donc si jamais, pour une raison ou pour une autre, on passe à côté d'une énigme, on peut venir vous voir. Un tel service pourrait nous être d'une aide précieuse. Je savais que vous sauriez apprécier mon travail à sa juste valeur. Après tout, je suis... La magnifique et extra-lucide Elisabeth, c'est ça? Tu apprends vite, petit! Quand vous aurez envie de résoudre quelques énigmes, passez me voir! Où est le bleu? Oh, j'ai envie de faire celle-là, maintenant. Où est le bleu? Le bleu... Oui, allez. Allez, on l'a fait, celle-là. Ça nous remet un peu dans le bain, une petite énigme facile, voilà, quatre choix. On l'a pas déjà fait, ça? Attends, hop. Quatre joueurs de golf prennent... Ah non, on l'a pas fait. Quatre joueurs de golf prennent part à un tournoi. Monsieur le noir, monsieur le blanc, monsieur le brun et monsieur le bleu. Ne les connaissant pas, une employée interroge trois d'entre eux pour mettre un nom sur leur visage. D'humeur taquine, monsieur le brun s'amuse à lui raconter un mensonge. A a dit monsieur... B et monsieur le noir. B dit je ne suis pas monsieur le bleu. C dit monsieur le blanc... Mais c'est D. Donc là, il faut retrouver Monsieur le Bleu, sachant qu'il y en a un des trois qui ment. Donc... Ça peut pas... Bah, si c'est Monsieur le Brun qui ment, donc B dit forcément la vérité. Donc on peut éliminer B. Zop. Ensuite... Si c'est ment...
Monsieur Leblanc, mais c'est D. Donc ça devrait pas être Monsieur Leblanc. Si A ment, Monsieur B et Monsieur Lenoir. Ah ouais, parce qu'ils sont quatre, c'est soit Leblanc. Ok. En gros, si A il ment, ça veut dire que lui, c'est pas le noir, donc ça peut être que le bleu, non, le blanc ou le brun. Sauf que le brun ment, donc ça ne peut pas être lui, donc ça ne laisse que Monsieur Leblanc. Le blanc, le brun et le bleu. Donc pas le bleu, pas le noir, pas le brun, donc le blanc. Mais si lui, il ment, ça veut dire que lui ne dit pas la vérité. Donc c'est lui qui ment. Monsieur Leblanc, ce n'est pas D. Donc B et Monsieur Lenoir. Donc on a Monsieur Lenoir. Et les autres, on ne sait pas. Attends. Bon, alors, c'est lui qui ment. Donc Leblanc, ce n'est pas lui. Leblanc, c'est un des deux là. B et Monsieur Lenoir, il ment, du coup, il dit qu'il est Monsieur Bleu, quoi? Ah, mais je suis con, je n'ai pas vu que c'était associé à des personnes. Je suis débile. Mais si, attends, ouais, j'ai oublié ce truc-là. Donc, A, donc on avait dit que c'était C qui mentait. Donc, Monsieur Leblanc, en fait, il ment, en gros, c'est sûrement lui, Monsieur Leblanc. Oui, c'est Lebrun qui ment. Donc c'est... Ah oui, si il ment, c'est Lebrun. Donc lui, c'est Lebrun, pardon. Donc ça, c'est pas le bleu. Donc c'est... Bah, il dit que le blanc, c'est lui. Donc en gros, c'est D, quoi. Allez. Est-ce que c'est bon? Il me fait peur à chaque fois. J'ai l'impression que j'ai pas le truc. J'ai réussi. Beaucoup trop de temps à réfléchir pour celle-là. Mais c'est... Voilà, on s'échauffe le cerveau. Voilà, on va pas tout faire, quoi. Il y en a deux, c'est assez énorme, d'ailleurs. J'ai cliqué sans faire exprès. Je veux dire, j'ai tapoté avec mon stylet sans faire exprès. Allez. Il y a du monde en ville, mais c'était rien en comparaison d'hier. Les touristes qui ont assisté au défilé ont besoin de temps pour se remettre de leurs émotions. Et le fait qu'ils soient morts aussi. Non, on la fait pas. Je la ferai jamais, voilà. Vous pensez qu'il y aura un autre défilé ce soir, professeur ? Oui, Luc. J'ai cru comprendre qu'il y en aurait un tous les soirs, mais n'oublie pas que nous sommes là pour enquêter. Professeur, doit-on continuer à recueillir des témoignages ? Oui, Amy. J'ai l'intention d'interroger tous ceux que nous croiserons sur le chemin de la Villa du Mont. Regardez, professeur ! C'est la petite que nous avons aidée hier. Quand elle avait perdu sa mère, elle pleure encore. Trop une loser. Sniff ! Je me suis arrêté une seconde pour parler au clown et maman, elle a disparu. Où c'est qu'elle est? Je veux ma maman. Tu as encore perdu ta maman? Qu'en dites-vous, professeur? Enquête ou non, c'est le devoir d'un gentleman d'aider les personnes en détresse. Je savais que vous diriez ça, professeur. Il ne reste plus qu'à retrouver sa mère, qui est une très mauvaise mère. Dis-moi, où étiez-vous lorsque tu as perdu ta mère de vue? Pas loin de la très grande pente, là où il y a de l'eau qui fait plus. Cela peut être le boulevard du prestige. Allons-y, professeur. Après, tu vas devoir faire à la fin parce que t'as pas assez d'énigmes. Eh ben, je ferai pas celle-là, voilà. Le truc des tabliers, ça te dégage. Parce que je l'ai décidé. Hook. Y a pas de petites économies, bien sûr. Ouais. La maman Bonnie. La maman Bonnie. Pas d'énigme. Bonjour. Est-ce qu'on se connaît? Gloria, c'est bien vous. Mais c'est le petit Hercule. La dernière fois que je l'ai vu, tu n'étais qu'un enfant. Où sont passés tes cheveux? Serait-ce une de vos amies, professeur? Oui, cela remonte à très longtemps. Je vous présente Gloria. Êtes-vous en vacances ici? Juste ciel, non, j'habite à Dorimont maintenant. Ça doit bien faire 5 ans. Il reste très peu de gens à Stansbury, Herschel. C'est presque devenu une ville fantôme, tu sais.
tu ne me représentes pas à ta femme ? Et quels adorables enfants tu as là ? Tu aurais pu m'envoyer les faire part ! Oh, vous n'y êtes pas du tout. Amy est mon assistante, et Luc est le fils d'un très bon ami que j'ai kidnappé. Amy Altava, ravie de vous rencontrer. Quant à cette petite fille, nous essayons de l'aider à retrouver sa mère. C'est gentil à vous de l'aider. Dis-moi, Herschel, tu pourrais me la vendre ? Tu aurais pu nous rendre une petite visite de temps en temps, non ? Je ne pensais pas que je dirais ça un jour, mais le calme de Stansbury me manque, surtout en ce moment. Un vaurien masqué nous terrorise. En as-tu entendu parler ? Ce n'est même rien des touristes. Fais bien attention à toi, mon garçon. C'est promis. Eh bien, j'ai été enchanté de vous revoir, Gloria. Mais nous devons vous laisser. Faites attention à vous, vous aussi. Pas d'énigme, ça commence très calme. Allez, hop là. Non. Non, on a déjà pris les pièces, je pense. Et voilà. Bon, personne d'autre à interroger. On y va. Je crois que sa mère veut juste l'abandonner. Hein. Oh, lui, il est incroyable. Ah, il n'a pas d'énigme. C'est quoi, Waltham? Laissez passer, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je m'appelle Waltham, de Waltham et Associés. Enchanté, monsieur Waltham, de Waltham et Associés. Bonjour, monsieur. Allez donc, tu brilles. Assez de politesse, les miens. Donc, ça m'intéresse. Mais qu'est-ce qui vous amène par ici tous les deux? On cherche ma maman. Tu sais où elle est, monsieur? Comment le saurais-je? Je ne connais pas ta maman. Bon, qu'est-ce que je vais faire de vous deux? Hey, je ne suis pas perdu, moi. J'ai justement à retrouver sa mère. Tu t'occupes d'elle? Parfait, j'ai beaucoup à faire de toute façon. Au fait, maintenant que j'y pense, j'ai justement aperçu une femme courir vers le boulevard du Prestige. Mais elle court, elle fuit. Pantalon blanc, cheveux rouges, il est violet. Elle avait peut-être l'air de chercher quelqu'un, toi peut-être. Oui, ça doit être elle. Merci, monsieur. Oui, merci, monsieur. J'ai bien tes dents, surtout celles qui brillent. De rien, Liberge. C'était gratuit pour cette fois. Ah, oh, lui, il a une énigme. Ah, c'est lui qui essaie de nous arnaquer. C'est une femme, la du bon, hein. Il paraît qu'elle doit dans le gaz avec son mari. Croyez que j'ai mes chances? Vous parlez de Marissa Dumont? Madame Dumont, s'il te plaît, tu n'as pas gardé les poulets avec elle, confiance. Vous pensez donc que les Dumont ont des problèmes de couple? Ben, ça crève les yeux, le mari est jamais à la maison, faut pas être un génie pour comprendre. Qu'est-ce que vous insinuez? Il est évident que c'est un homme d'affaires très occupé avec tous les événements récents. Vous croyez vraiment qu'un couple peut vivre heureux sans avoir beaucoup d'enfants dans ces conditions, hein? Ah, on va voir ce que vous y connaissez rien à l'amour. Duchesse, j'ai mal interprété. Vous n'avez pas l'air très fut-fut. Je suis sûr que vous n'arrivez même pas à résoudre cette énigme. Oh, comme par hasard. Oh, un choix sur deux, j'ai envie de répondre direct. Mais bon, ce serait pas drôle. A et B s'affrontent dans un jeu de cartes en dimanche. Les règles sont simples. Le feu est plus fort que le bois. Le bois est plus fort que l'eau. Et l'eau est plus forte que le feu. C'est un pierre-feuille-ciseau. Qui a gagné la partie, sachant qu'il n'y a jamais eu d'égalité, et que A a joué en tout 3 cartes feu, 5 cartes bois et 2 cartes eau. Alors que B a joué 2 cartes feu, 5 cartes bois et 3 cartes eau. Oh putain. 5 cartes bois, le bois est plus fort que l'eau. Donc elle a forcément gagné. Moi je dis c'est A, parce que du coup... 5 fois jouer le bois, c'est qu'elle a... Ah non. Ah, attends, il n'y a pas eu d'égalité, c'est ça? Il n'y a jamais eu d'égalité, bah c'est forcément ça. Parce que bon, on regarde rapidement. 2 cartes feu à jouer 2 cartes eau, donc voilà. 5 cartes bois à jouer 3 cartes feu. Ah, la combienième partie? Ah, qui a gagné la partie? Ah, ok, qui a fait le plus de points. Oh là là, je mets du temps là ce soir, c'est terrible. Grosse journée là. Bon, si on fait les scores. Non, ça va être chiant. Bon, allez, j'écris en bleu maintenant. Donc, F. Pardon, alors, 3 cartes feu.
Du coup, en bois, il a joué 5 et 3 cartes haut. Une manière simple de calculer tout ça. 5 cartes bois. Ah, ils ont tous les deux joué 5 cartes bois, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de calculer ça. 2 cartes feu contre 3 cartes feu. 3 cartes eau contre 2 cartes d'eau. Donc, je pense que c'est le 3 cartes d'eau qui gagne, en fait. Pour moi, c'est A. Pour toi, c'est A. Bah, en vrai, attends, parce que oui, ils peuvent pas jouer bois contre bois, en fait. Je réfléchis à ça aussi. Ah, je commence à avoir besoin d'aller aux toilettes, c'est énorme. C'est énorme ce qui se passe. Du coup, ça m'empêche de réfléchir. Et parce que... l'eau bat le feu. C'est un peu ça, le truc, c'est que l'eau bat le feu et... il a joué 3 cartes eau contre 3 cartes feu, tu vois le délire. Oui, ça, il y a des chances, ouais. Ça peut aussi être contre l'eau. Mais oui, vu que... ouais, t'as peut-être raison, en fait, parce qu'il y a 5 cartes bois. C'est-à-dire que lui, il a pu en cramer 2, mais qu'il en a de toute façon perdu 3. Sauf s'il a mis l'eau. Non, attends, le bois est plus fort que l'eau, pardon. Sauf si elle a mis l'eau. A perdu 2 fois contre a perdu 3 fois. Ah oui, ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que 50% des cartes, c'était du bois. Du coup, c'était forcément ouais, à ce niveau-là. Du coup, effectivement, vu comme ça, 3 cartes feu... donne. En fait, c'est parce qu'ils ont joué le même nombre de bois, ouais. Sur 10 parties, c'est qu'il y a forcément eu 5 une fois, 5 une autre fois. Oui, ça c'était un... tout à fait. Qu'est-ce que je disais? Eh bien, vous avez réussi. Oh, ça fait des semaines que je suis dessus. Qu'il est con. Peut-être si vous passiez moins de temps à insulter des inconnus, ça vous laisserait plus de temps pour réfléchir. Oh, attention à la duchesse mort. La duchesse mort. Vous êtes pas au niveau de la Dumont, mais vous êtes pas mal dans votre genre. Oula. Ah, putain. C'est pas là-dedans, hein, du tout. Le musée est encore fermé au public. La police est certainement en train d'inspecter les lieux. C'est vrai, maman était pas contente du tout l'autre fois. Ils l'ont pas laissé entrer. J'imagine qu'il ne devrait plus tarder à ouvrir ses portes. Demain, tu crois? Ce serait bien. Ou alors après-demain? Après, ça fait trop long. Tout dépendra des découvertes faites par la police sur les lieux. Nous reviendrons plus tard. La ville parle du maître avec son masque. Ah oui, vous l'avez vu à l'œuvre, il est incredible. Je rêve de le rencontrer in person. Dès que j'ai entendu parler de lui, j'ai su que Dorimon était the place to be. Vous êtes ici pour le voir aussi? Il est fabulous. Je lui prépare une ending delicious. Je vais te la régler en 2-2. Tu vas rien comprendre. Ouh, les menteuses. Hop, je te mets le truc. A, B, C ont chacune mangé l'une des 3 tranches de gâteau représentées sur l'écran tactile. Lorsqu'on leur demande quelle part elles ont mangé, voici les réponses qu'elles donnent. Une personne ment, c'est ça? Ah non, les propos de A et B contiennent chacun un mensonge et un élément de vérité. Donc A dit C a mangé la part moyenne, B a mangé la grosse. B, même pas vrai! A a mangé la grosse part et moi la moyenne. Un mensonge et un élément de vérité. A tout mangé, hein. Donc elle dit C a mangé la part moyenne et B a mangé la grosse. Même pas vrai. A a mangé la grosse et moi la moyenne. Ok, donc clairement
C'est avec C le délire. Il y en a une qui ment pour C. Mais personne parle de la petite. Si les deux... Attends. Ah, manger la grosse part et moi la moyenne. Ça voudrait dire comme ça. Si on fait ça. C a mangé la part moyenne, donc c'est faux. Et B a mangé la grosse, c'est vrai. Mais pas vrai. A a mangé la grosse part, c'est faux. Et moi la moyenne. Ça c'est... Non, c'est... les deux sont faux. Donc ça ne marche pas. Si A a mangé la grosse part. Donc là, ça... Non, plutôt comme ça. C a mangé la part moyenne, c'est juste. Et B a mangé la grosse, c'est faux. Même pas vrai. A a mangé la grosse part, c'est juste. Et moi la moyenne, c'est faux. Bah en vrai, ça se tient. Hein. Ouais, 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 c'est ce qui me semble. Ah, que B a mangé la grosse part. C a mangé la part moyenne, c'est vrai. B a mangé la grosse, c'est vrai aussi. Donc ça ne marche pas. C'est forcément ça. Si c'est C qui a mangé la grosse à tout moment. C a mangé la part moyenne, c'est faux. B a mangé la grosse. Non, ça ne marche pas. C'est que je vois que ça en vrai. Hein. Pourquoi elle mentirait en disant qu'elle a mangé une moyenne alors qu'elle a pris un truc plus petit? Débile. Bah en vrai, ça reste juste, hein. C'est ça. Ça ne m'a pas posé de problème. Oui, une part de la phrase, ouais. C'était genre un mensonge, une vérité. Bah, c'était ça, du coup. Oui, oui, j'avais bien compris, hein. C'est juste que je me suis dit, ça marche, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs qui marchent? Bah non. Vous êtes donc ici pour voir le maître du masque? Vous n'avez pas peur? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Oh, quand tu as j'adorerais avoir une statue en stone de moi. Ça serait juste parfait dans mon garden. Votre premier âge de toutes ces choses. Je suis fan number one. Vous êtes conscient du fait qu'il ne s'agit pas d'un vrai spectacle, n'est-ce pas? Le danger est réel. Yes, of course. Le maître du masque existe vraiment. C'est encore plus exciting. Serena, rencontrer le maître du masque serait à peu près aussi exciting que perdre toutes vos économies au casino. What? Vous avez vu le maître du masque dans un casino? Lequel? Il faut absolument que j'aille voir ça. Allez hop. Est-ce qu'on se ferait pas un petit spectacle de diva, quand même? Avant qu'on en trouve d'autres. Allez. Ah, attends, faut qu'on lui parle aussi, c'est vrai. Tu sais, Luc, je crois que je préfère ici, c'est le toboggan. Ce que je préfère, c'est le toboggan. Donc, il n'y a rien de particulier. Redescends. J'y arrive pas. Je suis pas fan de ce truc-là, mais par contre, le spectacle, c'est marrant. Ouais, mais je me suis trompé. On va voir si on peut le faire. Capucin, le lapin, est le facteur attiré de la forêt. Ah, ils me disent pas... Ah non, ok. Et le facteur attitré de la forêt. Mon entrée en scène devrait être joyeuse. Ouais, on peut, hein. Quelle tête fais-tu quand tu te réveilles en sursautant? Ah, je crois pas qu'on ait les trucs, hein. Quelle tête fais-tu quand tu te réveilles en sursautant? Ah, c'est ça qu'il faut. Donc non, on n'a pas... Tant pis. En plus de technique. Il
Merde, ça c'était les instructions. Ok. Je comprends pas comment on lui apprend des nouveaux trucs. Est-ce qu'il faut tenter des choses ? Qu'est-ce qui se passe? C'est méga chiant. Bon, ça m'ennuie. Voilà. Allez. La suite. Professeur Layton, quelle agréable surprise! Bonjour Carlton, vous avez du travail? En quelque sorte, je suis venu inspecter le lieu de l'incident d'hier. Cela n'a rien donné, je ne suis pas très doué pour les enquêtes, à moins qu'il ne s'agisse vraiment de magie. C'est une hypothèse que nous ne pouvons pas exclure totalement. Pour ma part, je crois à une mise en scène. Vous devez avoir raison, mais en fait, je vois que vous avez rallié un nouveau membre dans votre équipe. Ah oui, il s'agit de... Je m'appelle Bonnie et je suis perdue. On cherche ma maman partout. Auriez-vous vu une femme rousse portant un gilet violet par hasard? Quelle coïncidence, j'ai croisé une femme correspondant à cette description sur le boulevard du Prestige. Elle posait des questions, avait l'air de chercher quelqu'un. C'est forcément elle, vous ne croyez pas? Merci monsieur, tu es rudement fort pour les enquêtes, toi ici. Je suis ravi d'avoir résolu ma toute première enquête. J'espère que tu as vite retrouvé ta maman. Au revoir messieurs. Oh, le lapin, il a cramé un truc. Bim. Allez. Coucou vous, c'était une belle journée, n'est-ce pas? Les gens sont revenus. Il est vrai que les choses se sont vite calmées. La faculté qu'ont les gens à s'adapter me surprendra toujours. Ah, c'est toujours comme ça. Le maître du masque sème la terreur en ville et le lendemain, tout est oublié. Je suis quand même inquiète, jusqu'où va-t-il aller? Et s'il arrivait quelque chose de vraiment terrible? J'ai la ferme intention de mettre fin aux agissements du maître du masque au plus vite. Désolé, je voulais pas vous miner le moral. Que dites-vous d'une énigme pour chasser les idées noires? Allez. Oh les pains goût. Allez, oh, nout-nout. 6 manchots, 5 petits et leur empereur, attends. Ok. Ok, ok. 6 manchots, 5 petits, leur empereur un peu plus robuste se tiennent sur un iceberg. Tout peut se déplacer dans le sens horizontal et vertical. Ne plus s'arrêter que lorsqu'il y a un autre manchot. Aider l'empereur des manchots à atteindre la place qui lui sied en plein milieu de l'iceberg. J'avais envie. Ah ouais. Attends, déjà, qu'est-ce qu'il y a de possible sans que ça se crache? Soit là, soit là. Comment on va faire ça? Ah bah oui, on peut aussi se heurter contre lui. C'est juste ça, ok, très bien. C'est... Vérifions cette hypothèse.
Remarquable. Voilà. Paf, paf, paf. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer le pire. Désolé, je recommence. Ça pourrait bien que j'ai aperçu quelques grosses pointures de la ville examiner les lieux de l'incident. Savez-vous si Henri Dumont était parmi eux ? Oui, je crois bien. Il faisait comme si de rien n'était. J'ai bien vu qu'un truc clochait. Il y a eu une prise de bec, comme s'ils essayaient de se faire porter le chapeau les uns les autres. Vraiment ? Ils ne sont donc pas en bon terme. Ça en avait tout l'air, pourvu que quelqu'un mette la main sur le maître du masque. Il faut que je passe vite aux toilettes, en vrai. Est-ce qu'on retrouve vite sa maman ? Allez, on retrouve la maman, après je m'absente juste 2 minutes. Oh là là, mais où est-elle encore pensée ? Je me suis retourné de seconde. Maman, je suis là. Bonnie, mais où étais-tu ? J'avais pourtant dit de ne pas t'éloigner. Je me suis arrêté pour parler au clown, et quand je me suis retourné, t'étais plus là. On t'a cherché partout. Nous avons croisé votre fille un peu plus loin, et nous avons décidé de l'aider à vous retrouver. Comment pourrais-je vous remercier ? Je suis désolé de vous avoir encore fait perdre votre temps. Merci tout plein, monsieur. On dirait que Bonnie a l'âme d'une exploratrice. Un jour, quand j'étais petit, j'ai perdu mes parents à Londres. J'ai eu la peur de ma vie. C'était quand ? Le mois dernier ? Boum ! Et non, ça fait plus longtemps. J'ai regardé un plan de la ville et je les ai retrouvés tout seuls d'abord. Ils étaient sur le plan. Maintenant que cette affaire est réglée, dirigeons-nous vers la villa des Dumont. Allez, cette fois il faut que j'y aille. Je reviens. Je reviens vite.
Voilà, pardon. Je suis là. Bien présent. Allez, on a parlé à tout le monde. On y va. Je crois que c'est là. C'est pas du tout là. Si, si, à gauche, c'était l'hôtel. C'est bon. Oh, j'ai tracé, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait sur le truc. Allez! Marissa? Bonjour, Herschel. Je suis vraiment désolé, mais Henry a dû s'absenter. Il m'a quand même dit que je pouvais te montrer la bibliothèque. Tu pourrais rester aussi longtemps que tu veux. Merci, Marissa. Est-ce que tout va bien? Oui, Henry a sûrement une affaire urgente à régler en ville. Appelle-toi, Herschel. La bibliothèque est par là. Allons-y. Tu me remercieras bien, Henry, de ma part. J'aurais beaucoup aimé avoir l'occasion de discuter avec lui. Oui, c'est bien dommage. Il est débordé depuis l'apparition du maître du masque. Il est très sollicité par la police et le commerçant inquiet. Il ne se peut vous donner de la tête. Allez. Vous avez vu tous ces livres? Il n'y a pas un grain de poussière. Henry est plutôt du genre maniaque quand il s'agit du ménage. Il dit que ça le détend. C'est qui ce Henry? C'est le mari de Marissa et c'est le pote, le troisième pote de Layton avec qui ils étaient allés fouiller le truc archéologique le jour de l'accident. Ils étaient quatre. Il y en a un qui est mort. Enfin, mort, entre gros guillemets. Je vois. Pratique comme passe-temps. Entretenir une villa de cette taille doit demander beaucoup de travail. Vous n'avez pas de personnel. Si, mais Henry fait presque tout lui-même. Quand il a des soucis, il ne supporte pas de ne rien faire. Il doit en avoir des soucis en jugé par la propreté de cette maison. Est-ce vrai qu'il a créé la ville de Doraemon? Oui, quand il recommence quelque chose, je ne peux pas l'arrêter. Il a toujours été comme ça, surtout que Randall... Ah, son apparence, ouais, on sait pas encore. On l'a pas encore vu, ouais. Veuillez m'excuser, restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Si vous avez des questions, je suis là. Effectivement, on l'a pas encore vu, le bug. Il n'y a absolument rien sur le bureau. Henry a passé des heures assis à ce bureau, mais il l'utilise plus ces derniers temps. C'était dit qu'Henry installait pour travailler. Oui, pour travailler, pour étudier le masque de malheur en long, en large, en travers. Pourquoi a-t-il fallu que Randall le trouve? C'est ce masque qui nous a séparés, toi, Randall et moi. Quelle ironie du sort que le masque nous ait finalement permis de nous retrouver. Tu ne trouves pas? C'est un trésor à double tranchant. Il aura causé la joie et aussi bien que de la peine. C'est le gros dur qui veut... Ah non, ça se parle. C'est le symbole de la disparition de Randall, mais aussi de celui de la réussite d'Henry. Doraemon n'aurait jamais vu le jour si Henry n'avait pas mis la main sur le masque et le trésor, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Henry a commencé par ouvrir un petit hôtel au beau milieu de nulle part en plein désert. Cet hôtel était vraiment modeste, mais l'affaire s'est très vite développée. Les explorateurs ont afflué en masse, des entrepreneurs ont commencé à s'intéresser à l'endroit. Quand les premiers touristes sont arrivés, l'hôtel a dû être agrandi puis entièrement reconstruit. Le modeste projet d'Henry a fini par devenir un succès colossal. La suite, tu la connais. Doraemon est né et a fini par devenir la ville plus prospère qu'elle est aujourd'hui. Quoi à dire que sans cette toute petite auberge construite il y a 18 ans, il n'y aurait que du sable ici. Il n'y aurait que de la nature et ça me dégoûte. Pour Henry, tout le mérite vient au masque du chaos. Du chaos. Ce masque bouleverse tant de vie, tant de manières différentes. Madame Dumont, Marissa, vous croyez que le masque du chaos a des pouvoirs magiques? En tout cas, la personne qui l'a volé le croit certainement. J'aimerais bien comprendre les motivations exactes de la personne qui a pris le masque. J'ai le sentiment que tout s'expliquera quand nous aurons démasqué le coupable. Sans déconner, qui peut bien être le maître du masque? Que cherche-t-il? Qui peut bien être Randall? Oh! Cette assiette doit valoir une petite fortune. Se disait-il, vous pensez que c'est de l'or? Si j'étais vous, je ne la toucherais pas, on ne sait jamais. Il serait très malvenu de casser une assiette. Cette énigme est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ça me rappelle une énigme. Ouh là là.
Le félin fripon. Le petit trou de balle de chat. Oh non, un félin espiègle a fait tomber 3 assiettes du vaisselier. Le chat a emporté l'un des morceaux avec lui. Pouvez-vous identifier à quelle assiette appartient le morceau manquant? Donc il devrait manquer un bout à une assiette. J'espère que ce soit la B parce... Ah, quoique... Non, en fait, je regarde les motifs. Non, ça se tient. En fait, je pense que c'est pas la A. Si on regarde un peu les motifs. Là, ça touche, là, ça touche, là, ça touche. Donc si on part de ce principe-là, ça peut pas être celle-là. La B, ça touche ici. Là, on sait pas. La C, ça touche là. Donc il reste tout ça. Bizarre. Attends, il y a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah putain, c'est le morceau qui manque en haut. Ah ok, d'accord, ouais, j'avais pas compris correctement. Je pensais que genre on pouvait rajouter un morceau dans un des trucs, mais pas du tout. La con de moi. Donc, ce morceau-là, on le voit là-haut. Le morceau qui est à côté. C'est celui-là. Celui-là. Celui-là, on voit qu'il y a deux fleurs. Et c'est celui-là. Celui-là, maintenant, c'est clairement celui-là. Celui-là, c'est celui-là. Donc, c'est pas A. Pardon, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça. Ça, clairement, c'est celui-là. Ça, bah, c'est celui-là. Donc, c'est à la C. Je pense que j'ai vu juste. Forcément, quand je comprends mieux. Parfait. Ça marche mieux. Il ne reste plus qu'à le poursuivre en justice. Que leur procès. Bon, allez. Oh. Donc, Et un coffre. Saviez-vous le masque dans ce coffre? Non, Henry l'avait accroché au mur. Une pièce d'une telle valeur accrochée au mur? Oui, pourquoi? Henry tenait à le mettre en évidence, il pensait qu'il portait chance à Dorimon. Ça me rappelle de ouf. Ça me rappelle de ouf la première saison de Jojo, quand même. Avec le masque. Le masque était au mur. Du sang qui arrive dessus. Blah! Créer un vampire. Je vois. Où étiez-vous, Henry et toi, lorsque le masque a été volé? Je pense que nous étions à la maison, mais nous n'avions absolument rien vu ni entendu. Juste après le vol, le maître du masque commençait à semer le trouble en ville. Selon vous, qui pourrait vouloir nuire à cette ville? Quelqu'un dont les affaires auraient mal tourné? Ou pourrait-il s'agir d'un règlement de compte personnel? D'après ce que nous avons entendu, Henry n'a pas l'air d'avoir de problème particulier avec qui que ce soit. J'imagine donc que le mobile ne peut être que l'argent. Tous ces incidents, ce serait juste pour nuire à Henry à cause d'une histoire d'argent? L'argent fait perdre la tête à plus d'un, Luc. Ça, je ne comprendrai jamais, parce que je suis un enfant très naïf. Ah, juste pour que ça disparaisse la lune. Marissa, qui accède à cette pièce en dehors d'Henry et toi? Presque personne en réalité. Henry reçoit parfois des visiteurs ici, mais cette pièce reste essentiellement son domaine privé. Il ne les reçoit pas dans ce salon? Pas les visiteurs importants. Quand il s'agit d'affaires confidentielles, il préfère la bibliothèque.
Personne n'est donc admis ici en l'absence d'Henry. Non, et nous n'avons pas reçu Drummond dernièrement. Je doute qu'un invité soit glissé dans cette pièce. Je ne vois qu'une seule explication. Quelqu'un s'est introduit chez nous à notre insu. Cependant, les portes de la villa sont toujours fermées à clé. Le voleur a dû entrer par une fenêtre. Entrer ici par une fenêtre sans se faire voir demanderait une certaine agilité, ainsi qu'une bonne dose d'audace. Et ce serait sans doute à la portée de ce mystérieux maître du masque. Rappelle-moi une énigme. As-tu une théorie, Herschel? Eh bien, je pense que le maître du masque habite ici, dans cette ville. Il pourrait s'agir d'un citoyen ordinaire menant une existence tranquille. Yoshikage Kira. Ah oui? Marissa, y a-t-il quelqu'un à Doraemon qui pourrait tirer profit du trouble actuel? Je ne vois vraiment pas en quoi tout cela pourrait profiter à qui que ce soit. Henry s'est-il fait des ennemis? Quelqu'un aurait-il des raisons de lui en vouloir? À part Alphonse, je ne vois pas. Alphonse? Alphonse Dalston? Ce nom me dit quelque chose. Qui est-ce déjà? Oui, Alphonse Dalston. Nous étions amis quand nous vivions tous à Stansbury. Mais aujourd'hui, Alphonse et Henry possèdent presque toutes les entreprises de la ville. Elles sont rivaux depuis des années. Je crois même que Litige les a opposés sur la délimitation de cette terre. Ça ne me surprendrait pas qu'Alphonse essaye de saboter le travail d'Henry. Tu sais comment il est, Herschel? Certes, Alphonse n'avait pas un caractère facile. J'ai du mal à imaginer qu'il puisse être derrière une telle mise en scène. Il y a autre chose. Alphonse a été prévenu de toute intervention du maître du masque. Seul Henry et Alphonse ont reçu des lettres d'avertissement. Personne d'autre. Loin de moi l'idée de vouloir porter des accusations sans preuve. Mais ne trouves-tu pas ce lien entre Alphonse et le maître du masque plutôt étrange? Moi, je trouve ça louche. J'admets que c'est étrange. Une enquête s'impose. Allons l'interroger, professeur. Si vous voulez rendre visite à Alphonse, sa maison se trouve à l'ouest de votre hôtel. Oh, c'est éprouvant de faire les voix, je vous jure. Ça me fait bailler. Ça me fatigue de fou. Une dinguerie, en fait. C'est lui qui était dans le surjeu? Je suis plus sûr. Hey, comment ça va? Non, c'était pas lui, c'était le pote de Layton. Très bien, merci. Et vous? Je pensais à Doraemon. Tout le monde s'amuse, c'est la fête. C'est ce qu'on vient bien nous montrer. Je pense qu'une lutte acharnée pour la conquête du pouvoir est en train d'être menée à l'insu de tous. Je serais ravi de vous entendre développer cette théorie. Spéance, ma monde. Essayez de résoudre cette énigme, on en reparlera ensuite. Oh, pas que ça à foutre, mec. Bref de comptoir. Cette barmaid a placé 5 capsules sur le comptoir. Toutes sont au départ à l'endroit autrement. Pardon. Autrement dit, l'étoile sur le dessus est visible. La barmaid ferme alors les yeux et commence à retourner les capsules aléatoirement, comptant chaque geste. Au moment où elle annonce 25, elle pose sa main sur une des capsules et demande au client face d'elle, la capsule sous ma main est-elle à l'endroit? À l'endroit? Bien à l'envers. Ok, attends, faut que je fasse dans ma tête. Ok. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Elle est retournée. Alors ? Oui, alors... Cette énigme était digne d'un gentleman. C'est vrai que c'est pas très radiophonique ce que j'ai fait, comme on dit. Hein. Mais en gros, j'ai pris mes doigts, je retournais ma main en mode je retourne, je faisais comme si elle avait retourné la même capsule jusqu'à la fin. Ou à la fin, elle retourne deux. Et bah, du coup, le dernier move, c'était de retourner, voilà. Voilà, voilà. Pause promise, pause due. Nous avons les Dumont, qui ont construit cette ville il y a des années grâce au butin d'une chasse au trésor. Nous avons aussi Monsieur Dalston, qui s'est bâti un empire grâce à ses hôtels au fil des ans.
Puis j'ai une espèce de fou dont les attaques semblent viser les propriétés des démons, vous me suivez? Si les affaires des démons venaient à péricliter, Alphonse Dalson serait le premier à y gagner. Quelle perspicacité! Suffit de prouver à qui profite le crime. Moi je vous le dis. En d'autres termes, vous accusez Alphonse Dalston d'être le maître du masque. Seul le maître du masque connaît la vérité. Mais ça ne ferait certainement de mal à personne d'enquêter sur Dalston. La pièce. Je vais m'endormir sur place, c'est terrible comment ça me fatigue. Oh oui. Approchez. Celui qui ne connaît pas les jouets de Jean-Paul n'a vraiment pas de bol. Nounours, dinosaure, lapin, camion, voiture, petit train, j'ai tout et plus en magasin. Bonjour Jean-Paul. Ah, vous êtes l'ami des Mies, c'est ça? Comment se passe votre séjour alors, Raymond? Très bien, je vous remercie. Luc prend grand soin du robot que vous nous avez donné, vous savez, c'est faux. Très bien, qu'il continue comme ça. Ah, que diriez-vous d'une énigme? Que j'ai pas envie. Oh là là. Ce casse-tête est composé de 12 anneaux. Si l'on retire un bien précis, les anneaux forment une chaîne. Bon. Quel anneau prend plus que deux trucs? C'est le cas. Si on l'enlève. Tac, 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 tac. Ah, il y a le G aussi. Bah, du coup, c'est H. Non. Si, là, c'est pas accroché. Oui, là, c'est pas accroché, pardon. Ça me perturbe un peu. J'arrive pas à trouver le début. Ça fait un cercle. Ben ouais, c'est ça. Hein. Voyons voir. Tout énigme a une solution. Je savais qu'elle vous plairait. J'ai des jouets pour les enfants et des énigmes pour les grands. C'est une bien belle énigme, je vous remercie. Professeur, vous trouvez pas que Jean-Paul a l'air un peu déçu qu'Amy ne soit pas venue lui parler? Oui, on dirait bien. Mais pas un mot de cela à Amy, cela risquerait de la mettre mal à l'aise. Dommage. Cette petite interaction rigolote, on l'aurait pas dit non, hein? Ouais, je pense qu'il n'y a rien. L'année vers l'hôtel. La maison d'Alphonse devrait se situer vers l'ouest. Waouh! Ah, c'est peut-être le cirque, c'est ici que devait vivre notre petit lapin, donc Monsieur Loyal nous le confie. Pardon, tac, tac. Si on entrait. Luc, ce n'est pas le moment de s'amuser, nous sommes en pleine enquête. Je sais bien. Ce quartier se distingue totalement du reste de la ville, vous ne trouvez pas? On se rapproche du désert, cela se voit. On aperçoit même des ruines. Ah oui, où ça? Ouah! Cette région regorge de vestiges archéologiques. Ah.
Quels sont les vestiges? Mais revenons à notre enquête. J'aimerais parler à Alphonse. Allez, aux là. Ah. Ah là là, le cirque, c'est trop chic. Leur tigre, il fait peur. Là là, leur, je m'abuse comme un fou. You. Ils ont même un spectacle de magie. Youpi. Ils tournent le masque et c'est rien à côté. Tu penses que le maître du masque est un prestidigitateur? Oui, ça ne peut être que ça. La vraie magie, ça n'existe pas. Tralala. Insupportable. C'est une question qui fait débat. Il y a tant de phénomènes qui restent inexpliqués. Oui, mais toute énigme a une solution. Tralala. C'est un homme qui me l'a dit à l'hôtel. Hourra, trop sympa. Et voici un exemple pour vous. You. Oh putain, l'enfoiré. Bon, c'est pas ce que je pense. Un professeur fait venir au tableau l'un de ses élèves, lui pose ce problème, regarde bien ses motifs. Ni réflexion ni rotation. Sixième motif. Ah. Ah d'accord, c'est juste en trouve et ça finit le truc. Je sais pas. Des motifs sont uniques, autrement dit, on ne trouve ni réflexion ni rotation. Ah, ok. Oh, j'aime pas. Eh, ça me tue de faire les voix, je suis vraiment fatigué. Putain. Ni réflexion, ni rotation, ça veut dire quoi? Ça dit une rotation, enfin, une réflexion, ouais, je sais pas. Ou une idée dans le tableau, peut-être. Ah oui, parce que ça, c'est une rotation de ça. Enfin, il peut y avoir ça comme motif, ça marche en vrai. Pour moi, il fallait mettre tous les motifs connectés, quoi. Genre, tous ceux de là-haut, les mettre ensemble. Je pense pas, non. Voilà, c'était ça. Voyons voir. Toute énigme a une solution. Et voilà. Toute énigme a une solution, tralalon.
Tous les tours de magie ont une explication. Mais l'homme de l'hôtel a aussi dit que les prodiges du maître du masque étaient réels, tralalel. Tout énigme a une solution, mais il n'est pas toujours facile de la trouver. Quoi ? Les adultes sont compliqués, hé ! Je suis qu'un gamin, je comprends rien. Ne t'inquiète pas, ce sont les choses que tu apprendras en grandissant. Non, non. Oh, le yinche. Oh, professeur! Reste calme. Je vais lui apprendre les bonnes manières. Laisse la dame tranquille! Au pied! Voilà, c'est lui le mec qui voulait acheter des hôtels. Non, Erfenetton, c'est bien toi. Après toutes ces années. Bonjour, Alphonse. Cela faisait bien longtemps, en effet. Comment vas-tu? Ce que tu fais à Dorémon, ne me dis pas que tu es venu t'installer ici, toi aussi. Non, c'est le travail qui m'amène. Alors toi aussi, tu as quitté Stansbury. Stansbury? Il n'y a plus personne là-bas. C'est une ville morte depuis la tragédie qui a secoué les Ascots. Pas vraiment le genre d'endroit qui attire les foules. Je n'aurais jamais pu ouvrir un hôtel rentable. Je me souviens. Tu rêvais de posséder ton propre complexe hôtelier. On dit que tu as plutôt bien réussi ici. On peut peut-être arrêter avec les politesses, Artel. Si tu me disais pourquoi, plutôt qu'est-ce qui t'amène ici. Ah, j'avais pas vu ce que t'avais écrit. Pour toi, chaque structure se touchait. Du coup, tu pensais qu'il fallait être connecté. Ah, ok, ouais. Bah, du coup, non. Mais j'ai eu un peu de peine à process l'énoncé dans ma tête aussi. J'enquête sur l'affaire du maître du masque. En quel honneur, c'est une idée de Marissa. Ne me dis pas que vous me soupçonnez d'être derrière tout ça, je suis beaucoup trop gros. Quel intérêt, j'aurais à terroriser la ville. Tout ça n'est pas bon pour les affaires de personne. J'ai cru comprendre qu'une lutte de pouvoir opposait depuis longtemps les principaux entrepreneurs de Dorémon. Si quelqu'un serait éliminé un concurrent... Il serait sûrement prêt à quelques sacrifices. Comment se fait-il que le maître du masque vous tienne au courant de ses faits et de ses gestes, Henri et toi? Les informations que vous recevez seraient sûrement utiles à bien d'autres notables de la ville. Les faits semblent indiquer un lien entre toi, Henry, et le maître du masque. J'aimerais seulement savoir lequel. Toujours aussi naïf, mon vieux. Tu devrais plutôt t'intéresser à Marissa. Je te demande pardon? Tu n'es pas la seule personne qu'elle tenait pour responsable de la... disparition prématurée de Rendal. Et Henri l'a encouragé à monter cette expédition. C'est lui qui a convaincu Marissa de laisser Rendal partir. Quelques années plus tard, Marissa épouse Henri. C'est ce qu'on dit, car tes amis près de toi, tes ennemis encore plus près. Marissa en voudrait encore à Henri, après toutes ces années? Tu le penses vraiment, Alphonse? Ouais, tu sais comme moi que Marissa n'est plus la même depuis la mort de Rendal. Elle est guindée, cette femme. Je pense qu'elle mûrit de sa vengeance depuis très longtemps, qu'elle n'a jamais cessé d'en vouloir à Henri. Après tout, Marissa ne t'a jamais pardonné la mort de Rendal à toi non plus. Elle t'a chassé de la ville, non? Elle ne sait pas... Ce ne s'est pas exactement passé comme... Ah. Ouvre les yeux, Herschel. Henri était fou amoureux de Marissa, et il était jaloux de Rendal. À ton avis, pourquoi l'a-t-il encouragé Rendal à monter cette expédition? Il savait que c'était dangereux. Ce que tu dis est ridicule, Alphonse. Connard, ben. Ah, tu crois? Alors comment expliques-tu qu'Henri ait gardé pour lui tout ce que Rendal avait découvert sur le mur de Norwell? Et qu'on ait bien retrouvé le trésor qui aurait dû revenir à Rendal et Marissa ne lui a jamais pardonné. C'est elle qui est derrière l'affaire du maître du masque. Marissa n'a qu'à claquer des doigts pour ruiner Henri. Grâce à ce mariage, elle a toutes les cartes en main pour exécuter sa vengeance. Ce ne sont que les conjectures, Alphonse.
Tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. J'espère que je serai là quand le maston aura... Doraemon n'est pas la cité des prodiges, Herschel, c'est la cité des traîtres. La cité des traîtres? Mais c'est... Tu vois, même le petit est d'accord. Ne t'en fais pas, Luc. Je sais bien que tu ne peux pas cautionner de tels propos. Professeur, je pense que nous avons assez entendu. Je crois que je... Oh, je crois que je l'ai mis en colère. Si vous ne souhaitez plus parler, adressez-vous donc au maire. Au maire? J'en ai entendu dire qu'il avait réuni un groupe de travail chargé de traquer ce déséquilibré. Si tu souhaites vraiment faire la lumière cette affaire, une discussion avec le maire s'impose. Ce n'est pas une mauvaise idée, professeur. Effectivement. Très bien. Allons à la mairie. Oula. Monsieur Dalston, une nouvelle lettre vient d'arriver. C'est bien comme il bouge. Il y en a deux, en fait. Une pour vous et une pour un certain Herschel Layton. Est-ce que vous le connaissez? Je suis Herschel Layton. Quel heureux hasard. J'ai pas la confiance, ouais. Je pense pas que ce soit lui. Chers amis, j'espère que le spectacle d'hier vous aura plu. Tout plaisir était pour moi. Une statue ne ment pas. Une statue ne trompe pas. Il n'y a rien à craindre d'une statue. Le silence n'était pas le secret du bonheur. Priver une personne de sa capacité à faire du mal, n'est-ce pas un véritable prodige? Mais c'était qu'un avant-goût. Je vous promets un spectacle encore plus prodigieux ce soir. Je le produirai sur la place des arts. Le maître du masque compte sur votre présence. Tenez, une lettre du maître du masque. Notez qu'elle est bien arrivée, je l'étais juste devant vous. Je ne comprends pas, presque personne ne savait que nous venions ici. Professeur, on nous surveille. Je le pense aussi, Amy. L'endroit serait plein à craquer de touristes ce soir. Il nous reste un peu de temps avant le coucher du soleil. Informons le maire. Allons-y, professeur. En route. La mairie se trouve derrière la villa des Dumont. Vous devriez trouver le maire. Je suppose qu'il est en train de mettre sur pied son groupe de travail. Il l'a même fait dire des renforts. Qui sait, ils ont peut-être trouvé des preuves accablantes contre moi. Vous devriez aller voir. Peut-être bien, oui, dépêchons-nous. Voyons, Luc. Merci, Alphonse. Ce fut très instructif. Nous allons maintenant nous rendre à la mairie. Pas comment ils font les streamers qui font des heures de ça. Oh la vache. Le lien des personnes qui ont reçu une lettre, ils ont tous les trois vécu dans la même ville. Oui. Ah oh, putain, j'arrive plus à tenir, c'est terrible. Bon, ça va passer, hein. Je vais me lever un peu. Continue le live debout. Oh. Allez. Ouais, virer de son village, je sais pas, c'est... Apparemment, ouais. Par Marissa. Rixi, tu sais pourtant qu'il faut jamais miser sur... Veuillez nous excuser, auriez-vous une minute? Nous enquêtons sur le maître du masque. Je vais vous dire une chose. S'il y avait des infos sur le maître du masque, ils auraient déjà vendu à la police. Je suis désolé, je sais pas si on m'entend un peu loin du micro. Mais je me suis levé, je suis debout, sinon je m'endors. Mais s'il devait parier sur quelqu'un, je miserais sur un pauvre gars qui n'a rien demandé à personne. Que voulez-vous dire? Imaginez, vous arrivez au casino avec toutes vos économies, misez sur la mauvaise couleur et paf! Vous êtes pauvre, rien ne va plus, il y a quoi perdre un boulon, non? Pardonnez-moi, mais parlez-vous toujours du maître du masque?
Vous croyez que c'est que quelqu'un déciderait de transformer des gens en pierre simplement parce qu'il a perdu au jeu? Des théories comme une autre. Quand même, cette histoire de chevaux m'a laissé tomber. À quelle histoire de chevaux faites-vous référence? C'est une énigme. C'est une énigme. C'est pas une énigme, mais il faut quand même faire une énigme. Ah, je me suis fait avoir. Alors, roulette scriptée. Cette roulette fonctionne d'une manière peu conventionnelle. La bite s'arrête pas sur un numéro au hasard. Au contraire, les nombres sortent dans un ordre bien précis. Au cours des tours précédents, la bite s'est arrêtée le 10, le 9, le 8, le 5, le 3. Le 5, puis le 3. Neuf, huit, cinq, trois. Peut-être que ça fait genre moins un pendant trois, et ensuite moins deux, et ensuite ce sera moins trois. Du coup, ça doit être un. Ça me paraît un peu trop normal. Je la pense l'avoir trouvée. Non. C'était pas ça. Quel dommage. Forcément une règle. C'est pas les nombres premiers. La vie s'est arrêtée sur le 10. Le 9... Attends, elle est comment, la truc, en fait? 10, 9... 8, 5... 3... Alors, c'est le 6, pardon. 10, 9... 8, 5... 3... Ça fait une horloge, peut-être. Non, ça fait pas sens. Trois, deux. Ah non, je suis con. Perplexe. C'est pas en face. Oh non, non, non. Le 2, ce sera après. C'est plutôt la diagonale comme ça. Quatre.
Non, attends. Vérifions cette hypothèse. Ouais, non, j'ai pas le truc. J'ai dû négliger un détail. Je pense que l'histoire de l'horloge, c'est pas bête en vrai. C'est juste que pourquoi le 3 en diagonale, il me saoule. Faut faire comme ça. Là, il y a 1, là, il y a 3. Mieux comme ça. Ah, oh, c'est de la merde. J'ai essayé deux. Je crois que j'ai déjà essayé en plus. Père. Je suis perplexe. Oui, j'ai déjà essayé en plus, je m'en souviens. Non, tu n'es pas perplexe, tu es Layton. Lol. Ouais, 19, 8, 5. Si on reste comme ça, c'est genre comme ça, comme ça. Quand même plutôt... comme ça. Bon, ça, ça représente quoi? Ça fait 6, 40. Si on part du principe que c'est au milieu... Ouais, c'est de la merde, j'aime pas. Ah, j'aime pas du tout. J'ai l'impression qu'on avance très peu dans cette histoire, quand même. J'ai plus de cerveau, c'est une horreur, je suis trop fatigué. Il manque un chiffre ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'y a pas le 12. En quoi ça m'aide ? Bah ça fait 12, donc c'est un peu comme des heures. Ça, j'ai compris. Mais il y a... Ah, c'est 13? Pourquoi ce serait 13? Je pense avoir trouvé. Non. Quel dommage. J'arrive pas à voir la suite. Voilà, il fallait que je fasse ça aussi. Quoi ? 19, 8, 5, 3.
10, 9, 8, 5, 3. Si on fait autrement. 10, 9, 8, 5, 3. C'est de la merde. La différence, c'est que là, il y a un d'écart. Là, il y a trois d'écart. Non, mais c'est... ça. Ah non, attends. Ah, oui. C'est peut-être là-dedans, parce que je suis con, je fais toujours par paire, mais j'ai pas besoin. Un d'écart. Deux d'écart. Trois d'écart. Quatre d'écart. Mais il la retourne dans l'autre sens, alors. Donc 5 d'écart. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas le 2. Mais c'est pas le 2. J'ai envie de crever. Ou alors c'est un 12. C'est genre un 12 caché dans l'histoire. Combien de cases y a-t-il entre 10 et... Ouais, c'est ça. J'ai déjà dit 2, c'est pas ça. Bon, je devais essayer, hein. Je suis perplexe. Mais niquez-vous. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Il y a un d'écart. Quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça peut être sur le 13 aussi, mais j'ai déjà dit 13. Nanny the fuck. J'ai déjà dit 13, hein. Oh, j'ai déjà dit. Pourquoi je galère autant? Je ne m'attendais pas à cela. J'en peux plus. C'est de la merde. Ah, je me suis fait mal aux veuches. Un d'écart, deux d'écart, trois d'écart, quatre d'écart. Comment c'est possible? Un, deux, deux. 1, 2, 3, 4, 5, 2... Ah mais oui. J'ai mal compté en plus, quel con. J'ai déjà mis 2. Vérifions cette hypothèse. Mais d'où c'est pas ça? J'ai dû négliger un détail. Dans le sens inverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, putain. Ah, c'était ça.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Je pense avoir trouvé. J'arrivais pas à avoir la bonne logique. C'était une énigme fascinante. Oh, c'est trop tard pour moi. Là. La seule chose qui me restait, c'était cette info. Et maintenant, faut que je la donne. C'est bien ma belle. Vous nous dire pourquoi vous évoquez les chevaux et quel serait le lien avec le maître du masque? Mais zut, qu'au moment où il est arrivé, les chevaux ont commencé à très bien se vendre. J'en sais pas plus. Si vous voulez m'excuser, je vais voir si je peux glaner quelques petits effets par terre. Je ne vois pas vraiment quoi cette information peut nous être utile. Pour l'un de ses tours, le maître du masque a transformé des gens en chevaux. Il pourrait bien y avoir un lien. Bien sûr, il s'est passé tant de choses entre temps que je l'avais presque oublié. Allez, on se casse. Ça m'a saoulé, lol. Faut que je réponde vite à un message aussi. Voilà, pardon. Sinon j'allais répondre, ça va être trop tard, ça va être chiant. Hop, énigme. On se retrouve, monsieur le gentleman, vous avez fière allure avec votre chapeau. Merci mademoiselle, j'espère me comporter comme un gentleman et ne pas seulement en avoir l'air. En tout cas, je suis sûr que votre chapeau cache un cerveau d'exception. Ça, j'en doute. Ok, les trois beignets. Une famille de trois personnes s'est lancée dans la vente ambulante de beignets. Celui qui a le plus grand succès est le fameux beignet gourmand aux quatre saveurs. Sur ces 12 actuels en vente, 3 ont été préparés par la mère, interrogée, la fille dit qu'elle suffit de les regarder pour les reconnaître. Au fait, les beignets ont le même glaçage au verso, ok. 3 beignets par la mère. Bon. On va commencer par celui-là. Comptez celui qui a rose, blanc et chocolat. Donc non. Rose, blanc, chocolat, pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens non plus. Bon. Ça oui. Ah putain! Ça, non. 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 Oui. Non. Pardon, j'écoute les bruits, j'ai l'impression que ça gratte à ma porte. Donc oui, du coup, celui-là, c'est oui aussi. Mais est-ce que ça doit être les trois les mêmes absolument? Ou est-ce qu'il y a une signification? Parce que je suis sûr que c'est ça. Si on regarde celui-là, c'est rose et cigarette, on va dire. Donc pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, non... Oui, attends. Non. Non, non. Ok, donc peut-être que c'était vraiment ça, alors. Putain, je les ai perdus, du coup. Bon, on va voir. Si on prend la même chose dans l'autre sens, là. Donc non, non. Ceux qui auront à droite, là, comme ça, non.
Non, 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 et non. Donc c'est ça à gauche. Donc ça c'est juste. Ça c'est non. Ça c'est non. Ah c'était vraiment ça. Alors le truc à gauche comme ça et comme ça. Je crois que c'est cela. Non. My bad. Celui-là oui par contre. Et l'autre c'était celui-là. Vérifions cette hypothèse. Non, c'est pas ça. C'est bien pas ça. J'ai dû négliger un détail. Ça sent le piège quand même. Comment c'est les regarder pour les reconnaître ? À aucun moment ils disent que les trois sont exactement pareils en fait. Et quoi le sens à avoir là-dedans ? Oh les énigmes, elles me mettent mal ce soir. Terrible. Ah, je réponds non à un message. Paf. Voilà. Comment trouver les trois beignets que la mère a préparés ? Il n'y a pas d'indice sur le truc du dessus. Un moyen de les différencier ? Bah le glaçage qui est pas pareil partout. Oh, ça me... J'ai envie de crever. Mais c'est ça, c'est ce que j'ai fait. Ou alors j'ai foiré. C'est pas celui-là ? Attends. Donc ça, c'est juste. Ça, sur la droite du truc. Comme ça, ça, c'est juste. Et ça, si on se tourne, c'est juste aussi. Ça peut que être ça. Pourquoi il m'emmerde ? Oui, je suis confiant. Mais bro ! Bien. Nous pouvons écarter cette théorie. Non, non, non. Bon, attends. Celui-là, là. Pas ça. Faut qu'il est rose des trucs. Comme celui-là. Donc celui-là, c'est OK. Ça, c'est pas OK. Pas OK, pas OK, pas OK. Pas OK. Non. Oui. Mais c'est pas dans le bon sens. Il n'y a que ceux-là qui jouent. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de ma gueule ?
Machin est blanc. Là. Ça, c'est pas juste. Parce que le blanc est à gauche. Il y a un truc que j'ai raté. Genre, je les ai, là. Quoi ? Brun, rose, orange et blanc. 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 Je comprends pas, il y a quoi de faux ? Fait chier, hein ? Pourquoi j'arrive pas à les énigmes ce soir ? C'est un truc de ouf ! Brun, rose, blanc, orange. Non. 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 Brun, rose, non. Non. Brun, rose, non, blanc. Bleu. Brun, orange, rose, blanc. Non, on a dit qu'on faisait dans l'inverse. Brun, blanc, rose. Brun, blanc, rose. Brun, non. Non, non, non. Brun, blanc, rose. Brun, blanc. Brun, blanc. Brun, blanc. Comme ça, si on les retourne. Vous retournez un beignet. L'ordre apparent des couleurs du glaçage change. Brun, rose, orange et blanc. Y a pas d'exemple. Alors ici, si c'est l'inverse, ça marque. What the fuck? Oui, enfin, ça fait sens en vrai. Ah, oh, ce soir, ça me saoule, hein, vraiment. Ah, brun, rose, orange, blanc. Brun, rose, orange, blanc. Brun, rose, orange, blanc. Quoi ? Mais je croyais... Ah, mais putain ! Bon, le même glaçage au verso, j'avais pas compris. J'ai cru qu'ils étaient genre tous de la même couleur au verso, d'une seule couleur. Ah, fuck ! Mais c'est les mêmes ici aussi. Oh, c'est de la merde, j'aime pas du tout. Vérifions cette hypothèse. Allez. J'ai dû négliger un détail. Mais quoi ? Ah, mais foutez-moi en l'air. Me foutre en l'air. Ah, c'est ceux qui sont différents, putain. Oh my god, quoi ? Brun, rose, orange, blanc. Mais vraiment... Ah oui, brun, orange, rose, blanc. Mais y a, du coup, c'est tous les... Mais attends, mais je comprends rien. Ça peut tous être les mêmes, alors.
Genre lui, c'est tous la même chose, quoi. Ok, attends, concentration, d'accord. Les aiguilles d'une montre. En partant du blanc, vas-y. Blanc, orange, brun, rose. Blanc, non. Blanc, orange, blanc, orange, brun, rose dans les aiguilles, sens inverse des aiguilles d'une montre. Blanche, orange, non. Blanche, orange, brun, rose. C'est ça alors. Je pense avoir trouvé. Ah putain, enfin, ouais, c'était ça. C'était une énigme fascinante. J'ai juste badé, je pense, avant. Oh là, je suis en train de crever ce soir. Ce maître du masque s'est-il contenté de regarder les gens dans les yeux pour les changer en pierre, tel Médusa? L'auteur du méfait a prétendu avoir accompli un prodige. Mais je crois qu'il s'avance un peu. Eh bien, ce serait à la police de le découvrir, ou à des enquêteurs extérieurs. On dirait qu'il y en a là-dedans. Je parie que vous mettez la main sur le criminel avant tout le monde. Vous êtes encore là? Mettez-vous vite à la recherche du maître du masque. Ne vous en faites pas, mademoiselle. Nous avons bien l'intention de le retrouver avant qu'on en arrive là. Vraiment, je suis rassuré. Je ne vous dérange pas plus longtemps, alors. Fais donc ça. Ah, je suis pas performant du tout. Je perds trop de temps, là. Allez, là-haut. La mairie se trouve un peu plus loin. Il faut que je me rattrape, là. Ça doit être la mairie. L'architecture du bâtiment est grandiose. Alors c'est ici que nous trouverons le maire et le groupe de travail. Entrons. Mais d'abord... Ah, je suis un peu déçu. Tadida, badi, badam. Vous demandez ce que nous ne fait pas ici. Je fais cette voix-là, je crois. J'essaie de donner du baume au cœur aux agents de police. Je gesticule, je chante, ça les motive, ils adorent. Un prodige à expliquer par ici, badi. Un autre prodige par là, bada. Tout ira mieux si les clowns sont là, dadida. Je suis sûr que votre travail apporte un grand réconfort aux policiers. Cette chanson m'a donné une sacrée pêche. J'ai envie de ce type de frapper dans quelque chose. Et bam, elle frappe le clown. Vous voyez, c'est radical. C'est ma contribution personnelle à la traque du maître du masque. Je dois les aider lentement de se sentir soutenu. Et votre attitude est louable. Génial. Oh, allez. Évidemment, quand je fais ça, c'est des longs dialogues. Voilà. Ouais, ça n'a rien à voir avec la mairie de Mistalerie. Je vois que malgré ce qui s'est passé à Luna, quand même 131 viewers en live. Ah, il est de retour alors. On dirait bien que Doraemon n'a pas fini de nous surprendre. Il y a beaucoup d'agents ici, je me demande si le poste de police se trouve lui aussi dans ce bâtiment. Je ne crois pas, professeur, j'ai entendu dire que le commissariat se trouvait à l'extérieur de la ville. Mais vous avez vu tous ces uniformes? On dirait que les policiers de la ville se sont donné rendez-vous ici. Je suppose qu'ils ont décidé de mettre les bouchées doubles pour l'affaire du maître du masque. Ok, ouais, bon, j'avais pas... Je crois que j'avais vu passer qu'il était en live, mais... Je regardais déjà pas trop de base, donc... Je pense qu'ils ont renforcé la sécurité. Le soir de la pétrification, je n'ai pas vu autant d'agents. Cela dit, il est possible qu'ils aient été pris de court ce soir-là. Rien ne nous dit que le maître du masque annonce toujours ses interventions. Franchement, c'est ce qu'il a fait à ces pauvres innocents. C'est vraiment écœurant. Faut l'arrêter au plus vite. Ta motivation fait plaisir à voir, mon garçon. Nous ferons tout notre possible pour élucider cette affaire au plus vite. Il a déménagé. Ouais, ça, je sais pas. Mais... C'est vrai que quoi qu'il arrive, t'auras toujours une base de viewers. Putain, je pensais pas qu'il y aurait une énigme dans la lampe, là-dedans. Alors moi, je m'attendais pas à ça. Un truc facile pour mon cerveau, s'il vous plaît. J'ai eu une longue journée. 4 caps partiellement camouflés par des tuyaux sont branchés. Seule une petite portion des câbles B, C et nu.
Je savais pas quel câble est relié à quelle prise. Les tuyaux verticaux peuvent contenir plusieurs câbles, tandis que les tuyaux horizontaux peuvent laisser passer qu'un seul. Verticaux plusieurs câbles, horizontal un seul. Donc a priori, bon, il peut repasser là-dedans après. C'est-à-dire que B va jusque là. Et chaque câble s'étend sur 6 mètres et on sait que chaque segment de tuyau mesure 1 mètre. Donc 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Il n'a pas trop le choix, lui. B, c'est 4. B, je dirais 3 ou 4. Ouais, c'est 4. Hein. Toi, tu penses au 3? Pourquoi? 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Il peut que aller là. Ah ouais, t'as oublié. Ok. Le C aussi, en vrai, je pense qu'il peut que aller sur le 1. Parce que pour arriver là, il fait quoi? Il fait pas ça, déjà. Il fait 1 mètre. Oui, ça compte là, en plus. Il peut faire 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Donc, il est obligé d'aller sur le 1. Reste. Je peux faire genre comme ça. Non, attends, comme ça. Histoire de libérer un peu l'espace. Ah, mais non, j'ai besoin, en fait, pour pas qu'il passe dans les mêmes trucs. Ah, mais lui, il peut faire ça ou ça. Bon, en vrai, le A, est-ce qu'il peut arriver jusqu'au 3? C'est plutôt ça la question, maintenant. 1. 2. 3. 4, 5 et 6. Il peut y arriver. Pour le C, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est obligé de faire ça. Ouais, je sais, je sais. J'ai pas oublié la règle, ne t'inquiète pas. Il fait comme ça. Le D... En fait, ce qui se passe, je pense, c'est que si le D il va sur le 2, il va empiéter sur le A. Comme ça. Le truc, c'est que si lui, il fait comme ça et comme ça. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5, 6. 1 mètre. 2 mètres. 3 mètres. 4 mètres, 5 mètres. Ah, peut-être qu'il est obligé de faire 6. Ah oui, ils font tous 6 mètres. Donc c'est pour ça qu'ils doivent avoir 3, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Voyons voir... Oubliez le fait qu'ils font forcément 6 mètres et pas moins. Toute énigme a une solution. Allez, on s'en fout, c'est une énigme bonus. Bonjour, je peux vous renseigner ? Nous aimerions parler au maire. C'est au sujet du groupe de travail chargé de l'affaire du maître du masque. Personne n'a fait d'OQG sans avoir la perdition du maire, ce sont les ordres, adressez-vous à lui directement. Oups, c'est ce que vous avez l'intention de faire, je vais voir si je peux le trouver. Ouah ! Nous allons rencontrer le maire de Dorémont en personne. Je me demande comment il est, c'est une lourde responsabilité de gérer une ville de cette taille. J'aimerais bien être maire quand je serai grand, Luc Titon, maire de la ville, ça sonne bien, non ? On dirait que tu es bien décidé à marcher sur les traces de ton père. J'espère en ton père qu'il saura nous recevoir. C'est lui, je pense. Mais je suis sûr, elle a une énigme. Voilà. Des dossiers à traiter, classés, archivés, ça n'arrête pas depuis que le maître du masque est arrivé.
La police est clairement sur-effectif, et malgré ça, ils n'ont pas l'ombre d'une piste. Ça me fait doucement rire. Tenez, pas un seul n'a été capable de résoudre cette énigme. Allez, balance. Ouh, le chapeau. Chapeau carré. Cette jeune femme dispose d'une série de panneaux fins qui mesurent 3 carrés de longueur, 3 de largeur, 3 couleurs de panneaux, et tous les panneaux sont unis. Intérieur d'un cadre de chapeau d'autre forme. L'idée est d'atteindre ce but. Ok. Bon, clairement celui-là comme ça, tu vois. Ah ah. On peut pas faire comme ça. Donc ouais. Merde, c'est tricky ça. Bon, lui, il est par-dessus tout, ça, on est d'accord. On peut pas faire le cadre blanc là. Non, comme ça. Ah oui, genre comme ça. Okay. Là, il va rester en haut. Ok, c'est bon. J'ai... Non, putain. Voilà. Alors ? Cette énigme était digne d'un gentleman. Ça, c'est vrai. Allez, on parle au maire, on s'arrête là. Eh bien, citoyen lambda, ici, la police a échoué. Si vous me permettez, ce n'est pas une affaire facile. Le maître du masque attaque toujours dans des endroits très fréquentés, cela complique toute intervention. Je les connaissais par cœur, ces excuses, mais pourquoi n'ont-ils pas encore remis des tableaux au musée? Et pourquoi ces gens transformés en chevaux sont-ils toujours dans la nature, en train de brouter l'herbe? Enfin bref, le QG du groupe travaille, là. On n'a pas une très haute estime de la police. Eh bien, l'affaire a commencé il y a un mois, le criminel court toujours. On peut en vouloir aux habitants de la ville douter des forces de police. Donc, nous allons arrêter le maire... Le maître du masque. Hop. Bonjour, je m'appelle Rhys Williams. Je suis le maître de Doraemon, je vous souhaite la bienvenue dans notre ville. Merci, monsieur le maire. Je m'appelle Herschel Layton, je suis un ami de Marissa Dumont. Je m'appelle Amy Altlava. Ravi de vous rencontrer, monsieur le maire. Moi, je m'appelle Luc Piton, je suis l'apprenti du professeur. Enchanté. Nous sommes venus enquêter sur le maître du masque. Nous autorisez-vous à proposer notre aide aux membres de votre groupe de travail? Vous menez votre propre enquête, c'est bien. Pour rejoindre votre groupe de travail, il faut avoir résolu au moins 25 énigmes. Et c'est votre cas, splendide. Félicitations, vous faites partie du groupe de travail. Pour être honnête, l'enquête ne s'annonce pas particulièrement bien engagée. Il y a quelques tensions entre les deux inspecteurs qui nous ont rejoints et l'autre commissaire. Je suis désolé de l'entendre. J'ai demandé des renforts à Londres, vous comprenez? Nous avons envoyé deux excellents enquêteurs. Comment s'appellent-ils déjà? Quoi qu'il en soit, vous arrivez à point nommé. Je crois que la réunion ne va pas tarder à commencer. Vous devriez y assister. Votre présence pourrait permettre d'apporter un nouvel éclairage sur l'énigme.
Ils ont fait venir des inspecteurs de Londres. Je me demande bien qui ça peut être. Moi aussi, lol. Ce sera pas Chelmy, normalement. Tout le monde doit déjà se trouver dans la salle de réunion à l'étage. Je compte sur vous. Nous ferons notre mieux pour vous aider, monsieur le maire. Bon, allez, on y va. On fait cinématique, probablement. Et après, on s'arrête. Voilà, mais il y a lui, évidemment. Voilà, j'avais oublié son nom, mais je pensais à lui. Non, Chelmy, normalement, il le connaît pas encore. Oh, mais c'est Amy et Layton, et vous êtes venus avec la demi-portion. Avec la petite merde. Oh non. Mais, ah, ça vous de demi-portion. Dieu merci, ça finit sur une bonne note. L'apprenti du professeur Layton. Tiens. Inspecteur Groski. Groski, voilà, c'était ça. Le maire nous avait dit qu'on lui avait envoyé d'excellents enquêteurs. Et c'est ça, les deux enquêteurs, c'est lui. Vous n'avez pas changé, Amy. Attention, vous allez finir par me vexer. Ou alors peut-être qu'à Chelmy, mais d'une manière ou d'une autre, il va pas croiser Layton. C'est vous aussi possible. Vous ne devriez pas douter de l'inspecteur Groski de Scotland Yard. Ma réputation n'est plus à faire. Mais votre réputation n'est-elle pas en grande partie due à l'aide du professeur Layton? Vous n'avez pas tort. Vous savez, allez, bim. Je suis vraiment ravi de vous revoir, Amy. Vous devez être le professeur Layton. Ah, c'est lui l'autre. Je suis l'inspecteur en chef Leonard Bloom de Scotland Yard. Ravi de vous rencontrer. C'est lui je le méchant, suis bien voilà. Herschel Layton. Tous les gens qu'on voit, c'est les méchants. C'est eux le méchant. Wow, ils ont fait venir deux pointures de Scotland Yard. Ils ne prennent pas les choses à la légère. Ça donne Paolo. Oui, c'est une avec bonne le avec le chandelier dans le salon. Je suis curieux de voir comment les forces de police locales prennent l'arrivée de cette aide extérieure. En vrai, un cluedo avec Layton, c'est un concept. Qui sont ces civils? Oh, c'est quoi de cette tête? De quel droit assiste-t-il à notre réunion? Il veut quoi, Super Meat Boy? Il va arriver tout seul? Oh, il est insupportable. Commissaire Sheffield, je vous présente le professeur Layton. Il a aidé Scotland Yard à élucider bon nombre d'affaires. Il a pas de nez. Je suis persuadé qu'il dirait. Sera d'une aide précieuse. Il est juste tout petit, mais il n'y a pas de trait. Bien. Du moment qu'il ne traîne pas dans nos pattes, maintenant que les présentations sont faites, si on en revenait à notre enquête. C'est Voldemort de ouf. Bon allez, on va s'arrêter là parce que ça va prendre des plombes. Comme ça, on commence avec beaucoup de dialogues la semaine prochaine. Ça va être génial. Mais voilà. Voilà. Du coup, comment ça se passe pour le reste de la semaine? J'ai toujours pas de nouvelles pour vendredi, mais bon, vendredi, a priori, si mon truc est annulé, j'ai un autre truc par-dessus. Donc je ne pense pas. Une tête au carré, ouais. Bonne soirée, bonne nuit, bien sûr, évidemment. Pas de raid parce qu'on est que un, donc ça ne sert à rien. Pour la semaine pro, je sais pas du tout quand je vais pouvoir streamer non plus. On verra comment ça se passe. J'ai reçu un abonnement chez quelqu'un. Énorme, j'ai des nouvelles emotes. J'ai quoi comme nouvelles emotes? Oh, un truc des Sims. Voilà, c'était mes nouvelles emotes. Du moment que semaine prochaine, samedi, tu live pas. Non. Je ne crois pas. Non, bah il y a le live caritatif de Flora. Je sais pas si elle streamera toute la journée, j'en sais rien. Et moi, de toute façon, le samedi, je ne suis pas là. D'habitude. Donc, non, samedi prochain, je ne serai pas là. Donc je ne vais pas streamer. Du coup... Ah, la semaine prochaine, donc pas cette semaine. Bah écoute, j'ai toujours aucune nouvelle de quand sera le live caritatif. Donc je ne peux pas en dire trop. Enfin, je peux pas me prononcer. On verra bien. Allez, bonne soirée, bonne nuit, bye bye.